Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, sache que je suis Flore Bras, la responsable des établissements BF. Pour ceux et celles qui me connaissent déjà, je vous dis merci et je vous invite une fois de plus à partager, à liker la vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous une astuce sur comment éclaircir notre jambe. Généralement, on a beaucoup ce souci-là parce que c'est une zone qui reste généralement plus sombre que le reste. Et la recette que je me prépare à vous présenter peut être applicable au niveau des aisselles, au niveau des coudes, au niveau des genoux. C'est vraiment une recette très puissante à base de trois produits que nous avons tous en cuisine. Nous pouvons vraiment régler ce problème. Alors, la recette va être composé de trois éléments comme je vous ai indiqué, mais également je vous conseillerais d'utiliser quand même cette recette au moins sur 4 jours. Au moins sur 4 jours, vous allez commencer déjà à avoir des résultats. Pour des personnes plus tenaces comme moi, moi je ne m'en passe plus, je l'utilise vraiment et franchement, je suis vraiment très à l'aise. Je suis déjà très à l'aise, je vois les résultats. Et parfois même tellement, je vois des amis qui me connaissaient de longue date qui me disent, mais Flore, on voit que vraiment au niveau de ta peau, au niveau de ces parties-là, les zones d'ombre commencent à être vraiment plus lumineux. Alors voilà l'été qui va arriver. Je te propose déjà de commencer cette recette afin que tu sois prête pour l'été. Parce que vous savez, l'été, c'est la période où vraiment... On se met à l'aise, c'est la plage, c'est les sorties, voilà. Donc sans plus tarder, je vous reviens très vite pour vous proposer cette recette. Alors la recette d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une recette qui va te permettre d'éclaircir vraiment toute cette partie d'entrejambe que nous avons souvent qui est tout noir, terne par rapport aux autres parties de notre peau. Alors pour remédier à cela, tu auras besoin juste de 3 ingrédients, vraiment facile, vraiment, que tu sois un garçon ou une femme, tu trouves ça facilement, c'est en cuisine. Alors tu auras besoin de quoi? Tu auras besoin d'une tomate. Alors la tomate ici est vraiment un ingrédient vraiment très riche en vitamine C. C'est un aliment qui est riche en vitamine C et qui a des propriétés éclaircissantes. Et oui, beaucoup d'entre nous ne savons pas toujours ça, mais le jus de tomate et la tomate en elle-même ont des propriétés éclaircissantes. À cette tomate, on va rajouter le citron qu'on ne présente plus. Vous savez que vraiment le citron a des vertus, mais ici, dans notre cas, on va plus utiliser aussi les propriétés de la vitamine C, qui est également une propriété éclaircissante au niveau du citron. Et enfin, nous allons rajouter à tout ça notre produit miracle qui est le curcuma. Oui. Donc, avec ces 3 ingrédients, on a une belle petite recette qui nous permettra vraiment d'éclaircir toutes ces zones ternes. Alors, sans plus tarder, je vous montre comment on fait tout ça et on revient pour la conclusion. Thank you.
remonte un peu, vous appliquez tranquillement. Comme je vous ai expliqué, ça peut être utilisé pour le pour l'entrejambe, principalement si vous voulez. Vous pouvez aussi le mettre au niveau des aisselles, des et même du coude, comme je suis en train de le faire. Donc tranquillement, on applique notre produit qu'on va laisser agir entre 10 et 15 minutes. N'oubliez pas les produits, c'est... Si vous faites ça au niveau de l'entrejambe, faites ça sur 3-4 jours. Vous allez même déjà me dire, est-ce que vous allez commencer à voir des résultats? Moi, en tout cas, moi, au niveau de mes aisselles, surtout, et de mon entrejambe, je vois les résultats. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve. Alors mes BF, voilà, c'est la fin de la vidéo. Cette vidéo était destinée vraiment à te proposer une astuce vraiment très simple à base des éléments que tu as au niveau de ta cuisine. Comme je le dis toujours depuis le début du lancement de cette chaîne, sache qu'aujourd'hui, on peut se faire très belle avec des ingrédients que nous disposons sous le coude. Donc tu vois qu'avec ces trois petits éléments que je sais que chacun de nous dispose chez lui, on peut faire des merveilles. Cette recette-là peut être gardée au frigo entre 1 et 2 jours, mais je préconise toujours de faire la quantité dont on a besoin, toujours dans le souci de ne pas gaspiller. Également, au bout de 3-4 jours, si tu commences à bien observer, tu peux prendre la photo avant et après, tu verras déjà des améliorations. Pour des personnes tenaces comme moi, je l'utilise vraiment, je ne m'en passe plus. Et là, franchement, je vous assure, je suis prête pour l'été. Qu'est-ce que je voulais rajouter également? Lorsque vous appliquez le produit sur les zones sombres, je vous inviterai de garder, d'attendre 10 à 15 minutes avant de rincer le produit que nous avons appliqué. Voilà mes BF, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et sachez que vraiment la vie reste amour. Au revoir.